Bonjour. De nos jours, nous entendons beaucoup parler de méditation. Mais il est parfois difficile de savoir ce que recouvre ce terme qui s'inscrit dans différentes approches. Méditation de pleine conscience, méditation orientale, méditation chrétienne et pratique thérapeutique, philosophique et spirituelle. Au sein de la tradition chrétienne, le terme même de méditation, donc l'étymologie, est complexe, peut-être utilisé dans différents contextes et s'intégrer sous différentes formes à la prière. Réflexion spirituelle, autour d'un point de foi, intériorisation de la parole de Dieu, mentorat, oraison silencieuse, attitude contemplative. La recherche d'intériorité est une relation intime avec Dieu. Elle est présente dès les premiers temps du christianisme. Elle s'enrichit au fil des siècles des Pères du désert, de Saint Ignace de Loyola ou de Saint Thérèse d'Avila, prenant différentes formes. Lectio divina, adoration, oraison, recueillement, exercice spirituel. Elle a pour autant comme objectif vivre un cœur à cœur avec Dieu, présent en nous. Car je t'ai aimé, beauté ancienne, c'est si nouvelle. Car je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi et moi j'étais dehors. Et c'est là que je t'ai cherché. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Saint Augustin, d'Hippone. Voilà une petite explication de la méditation chrétienne pratiquée par beaucoup de gens sur la planète. Prenez un temps de méditation quotidienne. La vie est bien différente. Bonne journée!